de jet qui va tourner à 60 km/h pendant 10 km. Généralement, ces chiens-là courent sur des distances de 360 mètres, 400 mètres au maximum. On applaudit Cyprien. Alors, voici Tiffen. Avec un chien courant italien. Célia avec un Shiba Inu. Marion avec un Gerd Terrier. C'est bon. Voilà, alors nous avons un concours très très féminin là. Regardez bien, demi-tour, elle est passée derrière le chien. On ne voit toujours que le chien. Hop, à aucun moment elle est passée devant le chien. Elle se rapproche du but, tout à l'heure elle m'a dit bonjour, elle s'est approchée de lui, et maintenant elle présente donc ce Savoyard. Voilà. Allez, on est parti. Maintenant voici un berger australien, vous les connaissez maintenant les bergers australiens. Vous remarquez au passage qu'il y en a de plein de couleurs différentes. Si, d'autres sont tricolores, d'autres sont bicolores, et tous sont de très très gentils chiens. Voilà le berger australien. Alors le berger australien, c'était un chien de western. Les Américains l'appelaient comme ça parce qu'il ressemblait à un chien qui avait été importé d'Australie au 19e. Et ce chien importé d'Australie au 19e était en fait non pas d'origine australienne, mais d'origine basque. Donc, je vous résume, le berger australien est américain, qui ressemblait à un chien qui venait d'Australie, mais qui était d'origine basque. Donc ça vous fait un beau mélange. Les chiens d'eau espagnols.
particulier. Vous savez que les poils d'ailes et les poils très particuliers, notamment pour les chiens qui vont dans l'eau, ça a souvent un rôle pour les faire permettre de flotter, leur permettre de ne pas couler et leur jouer le rôle en quelque sorte de gilet de sauvetage, de piège pour l'air. Et si l'air est piégé dans les poils, eh bien le chien flotte mieux. Un grand merci à tous les autres. Si vous... Les gagnants sont les trois bipèdes. Regardez l'homogénéité de ce lot. Et on va leur demander de monter tous les trois. Voilà, applaudissements pour les trois bipèdes. Voilà, le bipède est certainement un des lébriers avec le pays italien qui est le plus doué pour la compagnie, notamment dans tous les milieux. C'est-à-dire que le bipède, ça peut vivre en appartement, en maison, en château, ça peut vivre partout. C'est une race très très facile. Regardez, je peux vous dire, c'est vraiment une race très très sympa, un peu frileux, donc il ne faut pas le faire dormir dans une grange au fond d'un toit. Voilà, c'est à peu près la seule réserve qu'il y a. Du Pays Basque en Terre-Neuve.
Et qu'est-ce qu'ils avaient les pêcheurs de baleines du Pays Basque? Ils avaient peut-être des montagnes des Pyrénées. Donc il y a peut-être un lien entre les montagnes des Pyrénées et le Ternaire, excusez-moi. Le bouvier ternois, oui. Combien pèse-t-il? Ah, 1 kg. 60 kg. 60 kg, voilà. Et c'est un jeune chien qui n'a que 10 mois. Regardez comme il est là. Le volume qu'il dégage à 10 mois. C'est très beau chien. Allez, le bouvier. Bouvier vers moi aussi. Alors. Alors, il n'y a pas forcément un tourbillon autour du cou. Hein, ça, c'est la légende. C'est le Saint-Bernard. À poil long, parce qu'il y a deux variétés. Il y a le poil long et le poil ras. Pour moi. Alors, savez-vous, un des Saint-Bernard les plus connus s'appelait Barry, B-A-2-R-Y. Il est peut-être même à l'origine de la race Léonberg, en étant croisé avec un autre chien. En tout cas, Barry était un chien de sauvetage qui a sauvé 40 personnes dans les années 1800-1805. Voilà. D'accord. On va en regarder que 3, et elle va remercier tous ses chiens présélectionnés. Et elle va me dire quel est le troisième chien de ce groupe des chiens colossoïdes. Quel est le troisième de ces chiens? Il me faut un troisième, un second et un premier. Alors le suspense est terrible parce que là il y en a trois qui vont être sur le coude. Je vais faire des crises. S'il vous plaît, le Saint-Bernard et le... Le troisième chien de l'exposition de Tarbes, deuxième groupe, est le... Troisième, le bouvier bernois. Deuxième, le dog allemand. Et il va falloir le grimper. Allez. Oui, c'est pas évident. Et alors? J'ai vu comment le regarder. Le meilleur est un chien que j'ai trouvé aujourd'hui exceptionnel. Parce qu'on parle souvent de l'hypertype qui empêche la fonctionnalité. Et aujourd'hui, on a une femelle Matin de Naples qui a un type extraordinaire. Et monsieur, faites un petit tour pour nous montrer avant de monter sur le podium à la première place. Le gagnant, vous l'avez compris, c'est lui, c'est le Matin de Naples, c'est la Matine. La Matine. Voilà. Applaudissements s'il vous plaît. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Madame la juge a demandé donc le micro.
Souvent, les vues disent premier, tel, deuxième, troisième, etc. Là, depuis, elle tenait vraiment...